vient de terminer l'Assemblée générale actuellement de l'exercice 2018. Comme vous avez pu le constater, malgré une conjoncture très difficile, marquée par la baisse des quotas d'importation, qui ont impacté directement les volumes de vente de l'ensemble du secteur, nous avons pu réaliser une performance exceptionnelle en 2018 par une augmentation du résultat net de 3,6% par rapport à une année auparavant. Donc cette performance, bien sûr, elle est due à un effort d'une équipe performante, une marque qui est très dynamique, qui est toujours au rendez-vous avec la performance et le bon résultat, malgré une conjoncture très difficile. Comme vous avez pu le constater également, nous avons réalisé une performance extraordinaire au terme du premier trimestre 2019. Malgré une baisse du marché, la baisse étant due aux mêmes facteurs qui ont impacté le marché en 2018 et notamment les augmentations de prix. Donc, dans toutes ces conditions difficiles, nous avons fait en sorte à ce qu'il y ait de la performance dans les résultats de City Cars. Donc nous sommes sur le train de la performance et nous sommes dans une réflexion qui va éventuellement aboutir à trouver des solutions intelligentes qui s'adaptent avec les conditions difficiles de marché, de créer de la valeur ajoutée malgré la tendance baissière du marché. Tel est notre programme en 2019, qui va peut-être, ce programme est axé sur les produits, sur les services, la diversification de produits, l'amélioration de la qualité de service et l'innovation dans l'offre qui va être offerte aux clients. Voilà, comme vous avez pu constater et entendre tout à l'heure lors de la GE, nous allons distribuer, nous allons faire une augmentation de capital par incorporation de réserve et on va offrir aux détenteurs de portefeuille titres Kia une nouvelle action pour trois anciennes actions.